l'environnement et nous comprenons la qualité de l'eau du chiffre. Donc c'est ce que nous faisons ici. Ce sont ces appareils que nous utilisons pour le contrôle de la qualité des vides. Donc ici, lorsque le camion rentre à l'usine, nous faisons des prélèvements. Venir faire des analyses pour la boue pour voir déjà quelle est la quantité que nous pouvons avoir. Et le même fruit ici a subi plusieurs transformations, même que nous avons ici, les femmes, vous voyez ici. Donc, lorsque nous avons le départ, nous faisons des prélèvements et nous faisons des analyses pour voir si il est aussi de bonne qualité. Et ces analyses, nous vérifions les paramètres comme l'acidité, l'humidité et l'humidité. Donc ici, c'est la verrue où nous devons travailler. Et ici, ce sont les distillateurs. Nous utilisons pour séparer l'huile des fibres et l'huile de la boue. Donc là, c'est un déminéralisateur. Nous les utilisons pour enlever tout ce qui est complètement chimique naturel. Donc, voici ce que nous faisons là. Les fruits là au départ, parce que nos parents ont fait des plantations. Ils n'ont pas de fruits de la scène là, ils n'ont plus d'aucune. Ils n'ont pas assez de fruits. On a fait un sage de fruits de la plantation. Donc, on a pourquoi être nous-mêmes dans le logement de départ. Aujourd'hui, on a 5 ans. Et puis, il y a deux qualités de graines dernières. Nous, on fait des pépinières ici. Il y avait combien la guerre. Quand on a le bon de Zina, on avait 5 heures. Et puis, on a fait des pépinières. Des pépinières, on a fait des pépinières. Non. Et... Non, c'est plus que les gens. Oui. Si quelqu'un nous confie sa terre, là, on fait plus qu'à 5 heures. D'accord. On s'occupe de tout. D'accord. Depuis la pépinière, jusqu'à la police. D'accord. On prend ici, on récupère, et puis les deux trous, on appelle le réplicateur. Pardon. Faites-moi dire que ma vie est sous. Donc, faites-moi dire.